Hello. Alors aujourd'hui, on va tester indien. On va manger indien. Donc, qu'est-ce qu'on a de bon? Ça, c'est du tofu avec une sauce. C'est pimenté ou pas? C'est pas spicy? Alors ça ici, c'est du poulet. Donc ça vient comme ça. C'est tout mignon, hein, dans une petite poêle. Et alors, vous avez du pain et du riz pour accompagner tout ça. Donc c'est parti. On va manger ça. On va d'abord goûter le tofu. C'est bizarre, hein, on dirait comme du décaillé. Tout lourdé. Ah oui, tu vois, regarde, on dirait... Ah ouais, comment on dirait un peu du décaillé? Ça va, c'est pas mauvais. Ça vient d'où là? C'est bon. On va goûter maintenant ça. Donc ça, allez, on va le mixer avec un peu de riz. C'est épicé ça. C'est épicé. C'est épicé mais c'est bon franchement. C'est délicieux. Oh là là, ça pique hein. Ça pique. Franchement c'est bon. Mais ça pique. Si je dois mettre une note, je mettrai 7 sur 10. Ça pique quand même un peu trop. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, ici à Singapour, ils aiment bien l'épicé et les plats indiens sont épicés. Mais c'est vrai que c'est super bon, mais si vous n'aimez pas le piquant, vous n'allez pas trouver ça bon du tout. Mais avec le pain, c'est délicieux. Ça fait un genre de douaise à la marocaine. Vous savez, quand on mange, voilà, quand on fait la viande avec les légumes à la marmite et qu'on mange avec le pain. Voilà, fini. C'était bon. C'était bon, mais c'était trop piquant. Ça, cette sauce-là, elle était trop piquante. Le reste, ça va, mais ça, piquant, piquant. En fait, ça s'appelle chicken Hanoi. Bizarre, hein, Hanoi, mais... Après, il y a plein d'autres trucs. Ils ont du biryani, plein d'autres plats comme ça. Mais voilà. J'ai mal à l'estomac maintenant. J'ai mal à l'estomac, mais franchement, c'est trop bon, mais c'est piquant. C'est trop piquant. Mais de toute façon, ici, c'est souvent le problème. Tout est très spicy. Et même quand ils vous disent non, c'est pas trop spicy, c'est spicy. Donc voilà les filles, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on like, on partage, bien sûr si vous avez aimé. Et on laisse un petit commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.